Et bonjour à tous et à tous, ici Gardon, j'espère que vous allez bien. Ça, c'est super relou, ça, attendez. Hop. Si, voilà. Ok, on augmente la lumière, plus de soucis. Donc, aujourd'hui, même jour, peu importe quand, finalement, on va repartir. Donc, Shizuka Raoul, hein, vous me connaissez, le but c'est de devenir ultra au taquet. J'ai enfin fini d'acheter mes runes de pénétration de défense avec Shizuka, donc sur le 1, voilà, pénétration de défense 30%. Tant qu'on n'est pas en ranked, me semble-t-il, on bénéficie pas à 100% des runes. Mais c'est pas très grave dans l'idée. Je vais max du coup la pénétration sur elle. On va essayer de vraiment de jouer sur les hémorragies, etc. Je pense que c'est assez intéressant. Parce que y a pas de... les dégâts des armes, c'est bien. Ça va jouer avec les crits, mais je la joue pas full crit, la Shizuka. Donc c'est pas forcément méga intéressant. En outre, parce que bon, de base, il y a des crits toutes les 3 attaques. Donc ça sert à rien de mettre du crit. À mon goût, en tout cas, c'est pas une stat qui va être rentabilisée. La pénétration d'Eve va jouer sur les attaques. Sur l'hémorragie, alors que l'attaque de base jouerait que sur les attaques. Donc on essaye, enfin, dans le lien en termes de théorie craft rapide, hein, juste logique, ça me semble cohérent. On verra bien si je me trompe pas, en tout cas, mais je suis un peu curieux. Il y a beaucoup de persos comme ça dans les jeux où, quand le scaling, on va dire, enfin, c'est pas du scaling sur une stat qui va influencer tout, c'est juste les auto-attaques. Donc bon, c'est pas ouf. On verra, il y a deux Shizuka en face, bien sûr, Shizuka Jinso Yun, tiens, c'est un combo que j'ai un peu joué, même si Jinso Yun, j'aime beaucoup moins que Raoul, je sais pas pourquoi, j'ai pas du tout le feeling avec Jinso Yun, c'est assez bizarre. Si à un moment vous me voyez me pencher devant l'écran et que ça vous semble étrange, soyez rassurés, c'est juste que je vais me moucher, hein. Bien sûr, quand on joue en direct comme ça, il peut arriver des choses dans la vie qui font que, voilà, on doit se moucher, ça arrive, bien sûr. Vous avez rejoint une partie ruine titanesque. La bataille commencera dans 15 secondes. Ok, donc on va essayer comme d'habitude de partir. Allez faire le... Oh là. Alors je suis pas sûr que les gens vont être complètement d'accord, mais on va voir. On va. Engagez le combat. Que j'aille faire le... Comment il s'appelle? Le roi de la rivière. Comme d'hab, hein, je vous ai montré la petite technique... Sur l'autre vidéo, vous regardez, soit vous le voyez directement ici en bas, s'il n'y est pas, c'est qu'il est juste en haut. Et actuellement, j'ai 100% de réussite avec ça. Hop, voilà. Hop, nickel, on va pouvoir aller faire maintenant la jungle. Au début, comme ça, je pense que c'est toujours risqué de se fight parce que tu sais pas trop à quoi t'attendre au niveau de tes alliés, tu sais pas ce que tu peux attendre des ennemis non plus. Il suffit qu'ils soient un peu plus nombreux, cachés derrière et que tu les vois pas. Ça me paraît toujours être un risque. Qu'il est pas forcément intéressant de courir en l'occurrence. Hop, on a le niveau 2. Attention au niveau de la botlane par contre, faut qu'il recule absolument lui. Je prends le niveau 3 et puis après je vais aller faire un petit gank au niveau bot side. Il est mort. Bon, je peux pas lui en vouloir vraiment. Loup là, bonjour. Ok, on a max ça. Eux, ils ont quoi? Ils sont niveau 2, ils sont full life. Donc on va pas prendre trop de risques pour l'instant, on va attendre un petit peu. Il y a les deux là, c'est quoi le truc méca modulaire? Je sais pas ce que c'est du tout. Ok. Oh là. Ah, oh, j'avais pas vu qu'elle avait fait son ultimate. Je me dis, mon pote est pas là, du coup je vais reculer. Et j'avais pas capté qu'elle avait fait son ulti, sinon j'aurais swap. Zut! Ah, zut! Je suis nul. Je suis plus la merde. Je me dis, mon allié avance pas, il veut pas se bagarrer. Bon, c'est dommage alors qu'on peut les tuer. Et je fais pas attention à l'ulti. Mince! Ah, ça m'ennuie, ça, ce genre d'erreur. Ça, c'est des erreurs, c'est de la bêtise pure et dure, en fait. Hein. Clairement. Allez, viens te battre, coquin. Ok, voilà, j'ai tué le premier avec le dot. Je vous en ai parlé du dot, hein. Pour moi, il est quand même ultra efficace. Hop, là, je peux la tuer parce qu'elle vient de swap de perso. À partir du moment où elle vient de swap, ça veut dire que c'est complètement free. Toujours intéressant. J'ai l'impression, par contre, que sur le robot, le dot fonctionnait pas. Bon, ce serait assez logique, vous me direz-vous, hein. Pas d'hémorragie sur un robot jusque là. Ça me paraît assez cohérent quand même. Évidemment ils reviennent défendre, bien sûr.
Ma Shizuka a pas masse de HP. Je sais pas ce que ça fait ça. Je préfère le détruire. On va récupérer ça. Lui il les zone avec son laser, c'est plutôt bien. Et moi après je vais essayer de faire du roaming. Ah. Mais pourquoi j'arrête pas à dash dessus? Ah zut. Je suis mort. J'ai swap de perso pour dash dessus, j'arrivais pas à dash dessus, c'était trop bizarre. J'ai perdu du temps comme ça. Mince, j'ai pas compris, c'est pas grave, j'ai du mal à appuyer sur. C'est vrai que quand, alors, en fait, quand je suis en train de me déplacer en haut à gauche, vous savez, je mets touche sur Z et Q. Et du coup, j'ai toujours du mal à appuyer sur A en fait, à chaque fois, faut que je prenne l'habitude de décaler mon petit doigt dessus. Ça me rappelle à l'époque où je jouais à WoW, du coup, que j'étais Red Lead et je passais mon temps à avoir le petit doigt appuyé sur contrôle parce que je t'en push tout all, que je trouvais beaucoup plus pratique pour le coup. C'est vraiment juste une habitude. Tu dirais mécanique du doigt à prendre, si je peux appeler ça comme ça. J'ai pas encore d'ultimate, faudra faire attention. La jungle qui est dans l'unité calp, on a comme un autre creep qui est là. Mais je peux pas laisser le bot side, faudrait que notre mid lane décale. Ce serait le plus intéressant. Ah. Je suis mort. Je voulais aller contest et malheureusement ça a fini juste avant. J'ai cru avoir touché le bon et pas du tout. C'est relou parce que du coup je suis déjà mort 3 fois quand même, c'est beaucoup à ce moment là. Il faut absolument de la défense. Faut que les gens viennent défendre. Lui faut rester au corps à corps de ce truc là, comme ça tu passes derrière, voilà, quand tu fais sa zone comme ça. Ils étaient à 3 au niveau du bot side, les adversaires ils ont eu raison d'être à 3 hein, forcément, quitte à avoir perdu le top. Ils essaient de gagner le bot, j'ai toujours pas de dépouche à distance comme d'hab. Commencez à connaître mes persos, hein, c'est... J'ai un wave clear égal à 0, un wave clear nul. Ok, on va avoir le red buff qui repop bientôt, faire attention. Je vais pas aller au chase lui, hein, y a toujours un risque. Je sais pas où sont ses potes derrière, du coup, j'ai pas envie de tenter ça. Le red buff qui va repop soon, 17 secondes, ok, mid, j'ai pas grand chose à faire. Bot peut-être, je peux peut-être faire un truc au niveau du bot, par contre j'ai pas de HP sur... J'ai pas de HP sur Raoul, est-ce que... Ouais, allez, je peux prendre le risque, on est 3. Hop, l'ultimate, pas si bien de swap de perso. Ok. Ok, nickel. Je lui ai complètement pounet son ulti avec mon swap de perso. C'est pas mal. Ça, c'était un fight correctement géré. C'est cool. Oh, il l'a eu! Oh, il l'a pris! Oh non! Oh dude! Ah, les assassins sans red buff, c'est tellement relou en vrai. Hop, ils ont swap de perso tous les deux. Ok. What? Salut. Non, alors ça fait un peu loin comme de mes alliés là. J'ai pas. Avec le red buff, je pense que j'y serais allé. Mais sans, je teste même pas. Je vais défendre. Ok, non, le titan a été défendu, bien joué. Et je vais aller voler leur red buff à eux par contre. Ça reste toujours intéressant. Le blue buff, j'en ai rien à faire. Il y a un éclat de titan récupéré. Hop, on va prendre ça au mid. Ils vont être en train de reculer, il y a des tourelles, c'est pas mal. Hop, ça s'est récupéré. Ça me permet de me soigner un petit peu, hein, c'est toujours bien. J'évite de me montrer au niveau de la lane. Et on va aller shipper le red buff adverse. En espérant qu'ils soient pas en train d'arriver, puisque c'est ce qu'on vient de voir, là ils sont en train de monter. Bon, on va croiser les doigts. Hein. Titan ennemi en approche. Ok, nickel. J'ai eu ça. Titan allié en approche, Titan ennemi. Ok, on va essayer de prendre quelques points au top pendant que Raoul se heal. Ensuite, il va falloir attendre que Shizuka se heal. J'ai un ultimate pour tout dodge au cas où. Hop, Raoul il est full HP, on swap vite fait. Elle me lâche la tour ou... Ah non, c'est relou. En vrai, c'est assez relou. Ok, Shizuka est quasi full life. On swap.
Et je pourrais rentrer dans le fight avec Raoul et Shizuka. Ils ont pas encore leur titan avec eux. Le problème c'est que là si je vais dans le mêlée, je vais être tout seul. Je peux pas rentrer tout de suite dans le fight. Ils peuvent se retourner tous sur moi. C'est beaucoup trop dangereux. Je sais pas ce que ça donne comme vision ça en fait. Si ça donne la vision autour vraiment ou pas. Ah ouais. Ah oui oui bah oui ok. Je vois ce que ça fait ici. Le problème c'est que je peux pas aller dans le fight. Je suis niveau 12 mais c'est beaucoup trop risqué là. J'ai pas d'ouverture. Faut que les ranges arrivent à déboucher un petit peu. C'est impossible d'aller dedans. Pour l'instant c'est pas possible. Ok, salut. On va pouvoir se soigner comme ça. La Shizuka avec quelques niveaux en moins mais quand même d'énormes dégâts en fait. C'est assez rigolo que j'ai autant de mal à anticiper les dégâts de mon propre perso avec quelques niveaux d'écart. Ok, l'XP c'est lui. Ok, il y a ultimate. Voilà. J'ai peur parce que sur le côté comme ça, les ennemis ils peuvent pop un peu n'importe comment. Il y a toujours le titan, j'ai pas d'ultimate. J'ai toujours le red buff qui fait le taf par contre. La tourelle qui vient de tomber, est-ce qu'il y a... Ouais non, ils sont en train de se soigner. C'est toujours compliqué, je peux pas... Je trouve pas de flanking et j'hésite à aller prendre le héros au niveau de la bot lane. Peut-être que j'attends qu'il s'avance un peu. Oh lui. Maintenant. Changement de perso, hop, je peux suivre. Toi, t'es mort. Nickel. On l'a eu, on va pouvoir aller chercher. Faut que mes alliés aillent là-haut. Moi, je vais aller chercher au niveau du bot. On a un titan à choper. On aurait pu faire le gros boss, mais sans connaître les gens comme ça, il y a toujours un risque. Du coup, on va pas faire le gros boss. On va aller choper plutôt. Non, il y a strictement aucun intérêt de prendre un titan maintenant. Là, le titan ne sert à rien. Faut pas le laisser faire. Salut. C'est typiquement là le titan qui voulait invoquer mid lane. Il aurait servi à push un peu plus, mais c'est pas méga méga utile. C'était peut-être pour un V1 vu qu'on a un allié qui est mort. C'était peut-être pour un V1, ce qui est encore pire, je pense. Hop. Ok, ils vont devoir des push bot mid. On peut aller faire ça en fait. Oh, il y a le red buff qui va pop. Yalo. Top, 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 est-ce que ça va? Ok, il vient de le tuer, nickel, bien joué. Par que je back aussi pour améliorer mes persos, parce que là, pour le coup, je suis un peu light. Ok, ils ont eu les héros au top, par contre, ils sont un petit peu en PLS, là. Je vais aller en backup, j'ai un ultimate. Il y aura le héros qui va m'aider, je vais peut-être pouvoir prendre 2 kills après. C'est possible, c'est possible, c'est possible. On va passer sur le côté, je vais pas montrer tout de suite. Pendant qu'il tape ça. Ah, ils m'ont vu. Oh, je prends cher. Hop, on perd l'aggro de la tour et on prend le kill. On swap deux persos, comme ça je prends pas les dégâts de la tour. Nickel. Ok, le double kill est bon. Le double kill est bon là. Mécaniquement c'était propre. Je vais pouvoir aller tuer le boss là-bas. Comme ça on aura un titan qui va bientôt pop. Sachant que on a déjà un titan au niveau du mid. Si on peut avoir un deuxième, ça peut être cool. Ok, là c'est qu'il va faire sa magie avec ses boules. On dodge. Hop, on sait pas ce qu'il fait. Son spell devant, ça c'est tranquille à dodge. Là il tire juste devant lui quand tu fais ça. Toujours essayer d'être dans son dos en fait. Sauf si vous voyez qu'il casse un truc. Si vous voyez qu'il casse un truc, faut vous éloigner. Et sinon la strata est simple, c'est tout le temps dans le dos du mec. Voilà, là il caste, on change. Si à tout hasard vous faites toucher, vous swappez instant de perso. Là vous pouvez faire un ulti de Shizuka. Merci. Quel débile. Vous pouvez faire un petit Shizuka pendant ses boules aussi. Oh, quel bébé. Waouh. Je me suis full cessé du coup, c'est pas ouf. Par contre, jamais la vie, on leur laisse ça.
Oh là 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 là. Mais faut pas s'éloigner de la zone, les gens. Faut aller dessus. Oh non. Oh, bon, j'aurais tellement pas dû me faire toucher par le premier truc, mais c'est terrible. Les gens, ils auraient tellement dû juste rester dessus. Oh là. Bon, je vous cache pas que je suis un peu mécontent là, mais bon. On avait les 30 points, ça aurait été bon, ça aurait été très très bien. Je sais pas pourquoi ils sont partis en mode non, y'a des méchants, on est 3v3, fuyons. On est 3v3, mais je suis niveau 16. Faut en profiter. Zut, c'est pas grave. Ils ont un titan qui pop bientôt, faire gaffe. Là, il peut invoquer un titan. Si le mec veut invoquer un titan, je le laisse faire. Invoque un titan, invoque un titan, invoque un titan. Faut reculer. Là, le but, c'est plus de faire du cutting et de leur faire perdre du temps, comme ça. C'est... Parce que vous les tuez, c'est un peu la misère, mais... voilà. La perte de temps est plus intéressante. Ok, il est niveau 17 avec sa Shizuka, lui, donc c'est risqué pour moi. Le titan, ce que j'allais dire, est quasiment fini, voilà. Il disparaît, on est bien. Au niveau du bot, lui, faut qu'il fasse attention, il va se faire détruire. C'est dans la boîte. Hop, we got it. Ils ont un titan qui vient de pop. On peut peut-être faire ça. Ça, et puis on invoque un titan s'il vient de nous contester. Ça pourrait être tellement bien comme strat. Ok, on l'a eu. Non, là je suis pas d'accord. Le titan, je suis pas convaincu. Oh, il a invoqué un titan bot. Je vais chercher le red buff parce que là, c'est un peu pué ce que j'ai fait. Un petit peu beaucoup. J'ai toujours un ultimate à utiliser après potentiellement. Mais je sais pas ce qu'il a fait avec son titan incarné au bot. J'ai voté non quand j'ai vu que c'était le mec au bot, mais bon bah malheureusement. Je n'ai point tout pouvoir. Ok, ça si on peut le récupérer ça peut être bien. Il y a ça à récupérer aussi au passage. Au moins on a détruit leur titan rapidement, c'est le principal. C'est déjà bien on va dire. Ma Shizuka qui est quasiment full life, je suis niveau 18 donc ça c'est cool. Au bot lui on va l'aider. J'ai vraiment pas compris ce qu'il a fait avec son titan incarné. Ils sont en train d'arriver au niveau du bot les méchants. Ils sont 4, ils sont 4, c'est juste indéfendable. C'est indéfendable. Ils sont 4 robots. Jamais de la vie on l'a. On va juste mourir et ils vont pouvoir faire le boss après. Là il faudrait limite push au mid plutôt. Ouais ouais ouais. Quitte à pas pouvoir défendre le bot, moi de toute façon après. Ici il reste à 5 robots. Vu que je suis en cac, je pourrais même pas taper le héros. Autant que j'essaie de push mid et de choper comme d'hab les points pour avoir un titan qui pop au mid. Comme ça va forcer les ennemis à décaler au mid pour défendre. Et dans ces conditions là, il y a un truc à faire qui est. Il y a un truc à faire, hein, parce que s'il reste là, malheureusement, on pourra rien faire. Là, le titan incarné aurait été bien. Avant, un problème de... Voilà, le titan va pop mid. Ah. Wait, on se calme ou bien? Détruit par une tourelle. Ok, normalement, les ennemis vont devoir décaler mid, hein. De toute façon, je vais faire un back. Quoique, non, attends. Ils vont pas pouvoir full push au bot. On a un titan au mid. On a un héros au top. Hop. Oh, wait. Hop, je vote oui pour que l'allié se transforme en défense de base, c'est très bien. Parce que si moi pendant ce temps-là je finis à game, on est ultra bien. Putain,
Attends, on a eu un titan incarné, normalement ça défend. Ok, on va pouvoir finir la game. Y'a qu'un seul ennemi pour défendre et c'est un support. Y'a un deuxième ennemi qui est là. On va s'éloigner, c'est son ultimate. Faut que je les empêche de tuer le titan et le truc. Ok, c'est bon, on finit la game. Ouah, ma décision était pas 100% sûre. Hein. Heureusement qu'on a eu un titan incarné en défense. Mais ça va! Ça va. Et on aurait dû avoir un autre titan incarné avant, mais il avait été botlane bizarrement. Ok, c'est cool. On s'est plutôt pas mal débrouillé, ça s'est bien goupillé. Et bien du coup, ça fait deux victoires de suite, toujours avec ce duo Raoul Shizuka. On n'a pas fait le gros boss cette fois-ci pour le coup. Mais je pense que j'ai essayé d'être un peu plus safe. J'essaye vraiment de m'adapter de plus en plus niveau stratégique à ce qu'on peut faire en termes de nombre de points à prendre. Est-ce que je peux défendre un endroit ou pas? Est-ce que plutôt je dois aller chercher des points pour qu'un titan pop, parce que le titan ça va mettre une pression qui va défendre, des choses comme ça. J'essaye plutôt à chaque fois hein, de m'adapter un petit peu de cette façon là. C'est pas si simple parce que la décision est toujours est-ce que je dois défendre avec mes alliés ou est-ce que plutôt je dois essayer d'aller faire autre chose pour mettre la pression. C'est comme dans LoL, parfois vous êtes mieux à aller push une tour parce que vous allez pas pouvoir défendre vous-même. C'est extrêmement intéressant comme ce jeu, il y a encore beaucoup à apprendre. Et je prends un plaisir monstrueux à faire tout ça. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours. Bien sûr, vous allez beaucoup voir les mêmes persos. Parce que, je veux progresser avec. Donc, pas le choix. Sur ce, je fais des bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Bien sûr, c'est classique.